Coucou mes chéris, allô. C'est Barbie Chétif à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du direct pour cette 529e review de merde avec un jeu qui n'est pas merdé du tout puisqu'il s'agit de Blockpile. Vous voyez le jeu s'appelle, c'est une console Blockpile. Alors c'est, attendez, c'est, voilà, j'ai mis en mode macro, je suis obligé d'éteindre à chaque fois, donc c'est Vidéotechnologie, c'est VTech et aussi Playtech. Donc c'est fabriqué en Chine en 92, donc c'est, si on voit le design, si je mets à côté une Game Boy, bon là j'ai sorti la rouge parce que les grises je les ai mis dans une boîte pour pas les abîmer, je préfère. Donc peut-être j'aurais dû faire l'inverse parce que la rouge j'imaginais peut-être plus côté que la normale. Bref, vous voyez là, voilà, donc là par contre il n'y a pas de... J'ai trouvé, je crois, 1€ en vide-grenier. Là, il n'y a pas de cartouche, il y a juste à mettre des piles. Donc, on va mettre des piles Ikea. Parce qu'en fait, je ne suis pas partenaire, mais j'ai un partenaire, si je cite Ikea. Donc, on va mettre les piles Ikea. Si Ikea veut m'envoyer des sous, je leur ai fait leur pub. Donc, on va... Non, ça ne va pas se fermer une fois que j'ai mis les piles. Ça, c'est marrant. Donc, ce jeu qui s'appelle Blockpile... En fait, il y avait la notice. C'est vraiment content, la nana. Elle avait aussi la... comment on appelle ça, la boîte. Mais bon, je ne l'ai pas vue. Donc, c'est un jeu... Oula, la porte a claqué. Ça pute de quoi en l'air. Bref, là, on voit... C'est un jeu, on croit que c'est un Tetris. Mais c'est pas spécialement un Tetris. Parce qu'on aurait pu se dire... Putain, quelle imagination. Ils sont vraiment allés loin pour nous chercher tout ça. Et bien, finalement, oui. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Donc... Je n'ai pas tout lu, bien sûr, parce que je ne sais pas lire. Bon, introduction, j'ai de la chance que ce soit écrit en français. Voilà, donc on va jouer au jeu. Par contre, je vais un petit peu changer la caméra. On va se mettre comme ça. Attendez, parce que c'est pas pratique, je suis debout. Aïe, je suis debout. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui, je vais voir, attendez. Donc ça c'est pas du vin, c'est du coca. Alors comment ça marche? Ok, bon, les piles ne sont pas bonnes. Guy, je vous ai perdu, Guy. Guy. Bon, je vais faire coupure. Autant pour moi, j'avais mal mis, vous aurez pu me le dire, hein, j'avais mal mis, je me suis trompé de polarité pour l'une des piles. Donc ça marche. Hein. On, ben oui, je peux faire que on. Alors il y a plusieurs modes de jeu d'après ce qu'on voit là-haut. Si j'aurais pu plusieurs fois sur on, et je vois pas trop à quoi ça sert. Je sais pas, on va là. On peut mettre la musique. Et on peut mettre la musique. Non, ben je sais pas. On va lancer. Attendez. Ah ouais, la musique en fait en. La musique. Tu vois quelque chose ou pas? Putain, ça va vite, en tout cas ça défile vite. Donc c'est un jeu, en fait c'est pas vraiment un Tetris parce que vous voyez que là, ah merde, voilà ça que je voulais faire. On peut pas mettre sur pause. Non, on peut pas mettre sur, ah on peut mettre sur pause. Alors on va juste voir le, si vous avez vu quelque chose là, ça fait pause, c'est pas une croix directionnelle en fait. Là je peux pas aller vers le haut, donc ce jeu finalement c'est trompeur. À droite, gauche et en bas, c'est pour choisir le, j'imagine, la difficulté du jeu, s'il y a plusieurs types de jeux. Et ça, en fait, c'est pour... ben, c'est comme dans le Tetris, on fait bouger les différentes trucs, mais il n'y a plus sens aiguille d'une montre ou sens, j'imagine, sens des aiguilles et la sens inverse. On voit pas, alors pourtant j'ai mis en macro. Alors vraiment, oui, la difficulté, c'est ça, c'est qu'il faut pas se fier qu'au carré. C'est pour ça que c'est plus difficile et c'est plus sympa. C'est qu'à l'intérieur des carrés, il y a des fois, il y a des pastilles. Mais c'est que les pastilles qui font des Tetris. Bon, on va plutôt appeler ça de faire des blocs piles. Il faut faire des blocs piles, c'est-à-dire des traits noirs. Et là, ça me rappelle au méga jeu. C'est le jeu vraiment que je vous recommande sur le Wii, la boutique Wii. C'est le meilleur jeu. Ça s'appelle True Space, THRU, et non pas Artroof. C'est True Space, franchement c'est un fabuleux jeu, j'en ai même fait la review.
Donc ça reprend un peu ça à l'époque, des 20 ans avant. Donc on va relancer le jeu. Donc voilà, je sais pas pourquoi il y a une boule qui n'est pas encadrée. Alors en fait les blancs, finalement, les carreaux invisibles, ils servent juste... Attendez. Alors en fait il y a trois modes, putain c'est encore plus compliqué que ça. Vous avez les carrés. Ah ben enfin j'ai fait un bloc pile. Ah par contre ils tombent pas, c'est con. Alors est-ce qu'on peut les encastrer? Mais non, on peut pas les encastrer. Ouais c'est compliqué parce que vous avez les carrés blancs. Les carrés invisibles, hein, les... Pardon. Vous voyez pas grand chose. Vous avez les boules qui sont seules. Et vous avez... Et merde, je voulais les... Est-ce qu'on peut les faire glisser à l'intérieur? Oui, comme dans un vrai... Ouais, mais pas trop. On n'a pas trop le temps, en fait. Oh, putain, il va pas me faire chier longtemps, ce courant d'air. C'est impossible. Je vois pas. En plus, j'ai pas lu la notice. Hein. Je fais toujours comme ça. Je vais pas regarder la notice. Donc, c'est 4. Pour faire un bloc pile, il en faut 4. Ça va être dur, là. Oui, pourtant, il a pu descendre. Là j'aurais pu en mettre. Ouais donc vous avez et vous. Ah oui, bah alors c'est ça, en fait il y a trois sortes de. C'est bien ce que. Merde. Par contre ils tombent pas, là c'est un peu con. Ils ont pas pensé à faire une fois que le compose l'objet. Il tombe. Donc en fait, ouais, non, en fait, il faut faire des quatre trucs de même sorte. Mais c'est ingérable, c'est trop dur là. C'est vraiment difficile ce jeu. Ah non, j'ai fait un Tetris quand même. J'ai perdu. Donc en fait il faut gérer trois sortes, c'est pas comme un Tetris normal, là on a que trois, on a trois trucs différents. Alors on va lancer. Oh voilà. Ben start. Donc ça qui est dur, il faut prendre en considération les trois différents si j'arrive à le sortir parce que c'est vraiment chiant. Les trois graphismes. La manette répond pas très bien. Hein, vous ne savez pas si vous voyez, mais donc il faut vraiment prendre en compte les. Voilà, ces cons-là, ils les font pas tomber les petits bouts qui sont. Ils restent en suspension. On n'a pas l'air con. Est-ce que je vais réussir à... Ah, j'ai réussi à les glisser. Non. Donc ouais, en gros, vaut mieux se mettre toujours en haut. C'est plus facile de les mettre en hauteur comme ça. Parce qu'il y a tellement de trucs qui retombent pas. Les carrés, ouais, donc voilà, j'arrive pas à faire cette. À synthétiser mon esprit, vous dire que c'est plus difficile. Et merde, c'est plus difficile parce que il faut faire les trois trucs différents. Et vu qu'ils se mélangent et qu'en fait ils tombent pas, les bidules, on peut pas les recaser à l'intérieur d'un autre. C'est pas. En plus là c'est que par ligne. Alors c'est par ligne et aussi d'après ce que j'ai eu succinctement. Ah, j'en ai fait 4. Succinctement la notice, en fait on peut faire aussi en diagonale. Il semblerait qu'on puisse faire des blocs piles en diagonale. Voilà, et là je me rends. Ah merde, je me suis trompé. Voilà, c'est les 4. Si vous avez vu quelque chose, mais... C'est vraiment con cette histoire que ça reste en suspension quand même. C'est vraiment chelou. Comme disent les jeunes. C'est con qu'il n'y ait pas de musique. Et je trouve que ça défile super vachement vite là. Ah merde, mais... Ah, oui voilà, comme ça tombe pas, je vois pas trop comment on peut pas... Forcément, au bout d'un moment, l'écran va être encombré. Ah non, là c'est tombé. Ouais, je comprends plus trop le jeu. Par moment, les trucs tombent. Ah là, ils tombent. Ah ben là, c'est bizarre. D'un coup, ils se sont mis à tomber.
Du coup, je vous ai sorti un super combo de l'espace. Et que dire d'autre que Tetris, c'est tellement vieillot, quoi, que... Oula. Ce qui marche, c'est aussi l'ambiance musicale. Hein. Ah, là, le petit bout n'est pas tombé. C'est aussi l'ambiance musicale. Là, comme il n'y en a pas, il n'y a pas vraiment d'ambiance, du coup. Est-ce qu'on peut faire 5? Oui, 5, ça fait plus de points. Voilà, c'est beaucoup moins entraînant. Et pourquoi j'ai fait ça, moi? C'est moins entraînant. Vite, on va faire un instant de 5. Zut, non, c'est... Voilà, pour tenir là, c'est plus compliqué, hein, je vous dis, il y a les trois trucs. Sinon, j'ai pas réussi à la sortir, cette phrase. Ah, mais là, j'en ai trois, ça sert strictement à rien. Zut, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas toujours ça. Ah, putain, mais là, c'est compliqué. Ah, là, je me suis quand même mis. On va essayer de passer par en dessous, voilà. Un coup ça tombe, ces trucs, merde, un coup ça tombe pas. Et zut, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, c'est, donc c'est moins, beaucoup moins amusant, là, il n'y a pas la musique. C'est trop dur, hein, ce jeu, donc il y a du challenge, c'est clair, là, par rapport à un Tetris normal. Pour les raisons citées précédemment, et bon... enfermé, c'est le truc ne tombe pas, donc déjà que c'est... Allez, le courant d'air va te faire enculer. Déjà que c'est compliqué à la base, quand on est là, si en plus on... les blocs ne tombent pas, ils y ont pas pensé, ou alors ils y pensent une fois sur deux, on comprend pas trop. Donc là, on va choisir un autre mode de jeu. Ah ben voilà, celui-là, c'est parfait, attendez, je vois un petit peu. Balancer, oui. Alors là, il y en a qui sont déjà mis. On n'a pas trop le temps de réfléchir avec ce truc. Donc, c'est un... Oh la merde. C'est un Tetris. Pour synthétiser, beaucoup plus compliqué qu'un Tetris normal. Donc peut-être que les tarés qui aiment ce genre de jeu, ils... connaissent leur Tetris par cœur, là, ça a plus de difficultés. Bon, déjà, par contre, il faut trouver ce bloc pile, parce que ça m'a pas l'air... Là, il tombe pas. Pourquoi il tombe des fois et pourquoi il tombe pas? Du coup, on n'est plus du tout habitué, on est déstabilisé. Le truc le plus con, on a l'habitude, quand on joue à Tetris, que le truc tombe et je sais qu'après, je pourrais glisser un truc. Là, je suis vraiment... Et merde, pourquoi j'ai mis ça là? Je suis vraiment pas... Et voilà, 3, là, c'est niqué. Ça sert plus à rien. Et franchement... Là, en vrai, il tombe, ça fait... Ah, quand même, combo. Et je crois que j'en avais 4. Là, j'en ai 4. La 4. Ouais, bon, des fois, il tombe, hein, on comprend pas trop la logique, pourquoi des fois, il y en a qui... par contre, ceux qui tombent, c'est assez varié, c'est pas tout le temps pareil. Même s'il n'y a que 3 trucs, il y a beaucoup plus de possibilités. Je suis perdu. Ah ouais, mais je comprends rien. Et zut, ouais. Voilà, je voulais que ça sorte depuis tout à l'heure, donc désolé. Alors. Oula. Je sais plus ce qu'il faut faire. Ah oui, c'est bon. Voilà, et pourquoi il tombe? Ah non, il tombe là, putain, mais on comprend jamais pourquoi des fois il tombe, pourquoi il tombe pas. Ah là, il tombe. Là, il tombe pas. Mais là, je suis vraiment dans la mouise.
18. Ah c'est bon, la 4 vont partir. Ah là j'ai passé un niveau. Ah ça par contre je m'y attendais pas. On peut pas trop les glisser en dessous par rapport à un Tetris. Là on peut juste un petit peu mais... Donc on voit que si vous voyez le tour de tout ce qu'il y a là, ça reprend un peu le système. J'essaie d'expliquer. Il y a des boules prises dans des carreaux, et des fois il y a des carreaux vides, et des fois il y a des boules sans carreaux. Donc voilà, on a trois trucs à disposition. Graphiquement, c'est pas moche, hein, ça ressort assez bien. Hein. C'est assez clair, voilà. Ça, le truc, c'est que c'est quand même très très clair, même si là ma vidéo est floue parce que j'ai un appareil photo pourri, mais je trouve que c'est vraiment, on distingue pas trop mal. Bon, on va bientôt terminer là. Merde, là. Par exemple, si je veux glisser lui, ah lui j'ai pu le glisser, je suis quand même content, mais. Hop. Voilà, bon c'est un Tetris. Hein. Quoi dire d'autre? Ben, sur ce, ben, ciao Pipito pour une prochaine vidéo. Moi là, je vais partir faire les poubelles. J'espère que j'ai trouvé. L'autre jour je vous ai pas dit mais j'ai trouvé le guide officiel, mais j'avais pas pris l'appareil photo sur moi, donc le guide officiel du GTA Liberty, je sais plus quoi. Complet quoi, même pas abîmé, nickel, donc j'aime pas ce genre de jeu, c'est un peu con. On va le glisser en dessous, oui. 4. Ouais donc voilà, j'ai trouvé ça, je sais pas. De la chance. Hein. Il n'y avait pas le jeu. Donc voilà, le guide complet d'un jeu. Qui m'a rien coûté, donc j'espère trouver d'autres choses comme ça aujourd'hui. Ouais, non, je suis troublé, c'est trop compliqué ce jeu, il y a trop de graphismes différents à gérer là. Ah quand même, ah dès qu'on peut faire des combos, voilà, là je vous disais enfin j'ai fait un combo comment ça s'appelle en diagonale. Ah merde c'est n'importe quoi, je vais pas aller loin. Ce qui est fourbe, c'est que quand ça arrive, des fois il y en a, on croit qu'ils vont être seuls. Mais en fait, non, ils sont entourés. Il y a un quadrillage, un truc comme ça. On croit d'abord que le rond va être seul. En fait, non, quand il descend d'un cran, on voit après le quadrillage qui est autour. Donc ça induit en erreur. Pour ça, des fois, j'ai voulu trop anticiper, je me suis fait avoir. Donc on va faire off. Voilà, le bouton off. Sur ce, ben, ciao Pipito pour une prochaine vidéo. A plus mes puces. Comment écrivez-vous ça?